The Sermon, The Contest by Brother William Marion Branham was delivered on Monday evening, December 31st, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Le combat », a été prêché par Frère William Marion Branham le lundi soir 31 décembre 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. His ways are past finding out, aren't they? Wonderful Lord, how sweet it is to trust Him. Ses voies sont insondables, n'est-ce pas? Merveilleux Seigneur, qu'il est doux de lui faire confiance. I'm just sure you've had a wonderful time tonight. Je suis sûr que vous avez passé des moments merveilleux ce soir. Just opening the door there a few moments ago and hearing Sister Gertie saying that old song, keep holding on, just one more hour. En ouvrant la porte là, il y a quelques instants, d'entendre Sœur Gertie chanter ce vieux cantique, tiens bon, encore une heure. It brought back memories of my little church when it was just before I left the other time to go into the fields of mission work. Cela m'a rappelé des souvenirs de ma petite église, juste avant que je parte, la fois précédente, pour aller sur les champs de l'œuvre missionnaire. I'm looking out at a seek God first here in front across this old beam. En ce moment, je regarde chercher Dieu premièrement, ici, en face, sur cette vieille poutre. I remember Sandy Davison painted that on there about 25 years ago. Je me rappelle que c'est Sammy Davidson qui a peint cela là-dessus, il y a environ 25 ans. On the other side, I think it's got, where will you spend eternity? Think. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a « Où passerez-vous l'éternité ?» Réfléchissez-y. Right here was a woman at the well, Daniel in the lions. Et juste ici, il y avait une femme au puits. Et Daniel dans la fosse au lion. Oh my, many things have happened since then. Oh là là, beaucoup de choses se sont passées depuis. Just about 5 o'clock this afternoon, I got an emergency call to come about 30-40 miles down the country here of a dying woman. Il était presque 17 heures cet après-midi quand j'ai reçu un appel d'urgence à environ 50 ou 60 kilomètres d'ici, à la campagne, une femme mourante. And a very precious friend, Georgie Carter's mother. Une amie très chère, la mère de Georgie Carter. And I knew there was plenty of ministers here to hold till I got back. Je savais qu'il y aurait beaucoup de ministres ici, capables d'assurer la relève jusqu'à ce que je sois revenu. Edith has been very bad too. Edith aussi est très mal en point. And while we were there, the Lord God moved on the scene, and Sister Carter is a long way from dying. So we're grateful for that. Et pendant que nous étions là, le Seigneur Dieu est entré en scène. Sœur Carter est loin d'être mourante. Donc nous sommes reconnaissants de cela. And now it's getting time for communion service pretty soon. I think it's about 12 o'clock when they go to. Et maintenant, c'est bientôt l'heure du service de communion. Je pense qu'il compte faire cela vers les minuit. What time have you designated to give it? À quelle heure as-tu prévu de la donner? Just any time. How many is to take communion tonight? Let's see your hands. That's wonderful. N'importe quand. Dès que nous. Combien vont prendre la communion ce soir? Faites voir vos mains. C'est merveilleux. All right. I want to speak just a word or two. Maybe I'll lay my watch out here for about 10 minutes, 15. We'll start communion. Très bien. Je veux juste dire un mot ou deux. Je vais peut-être poser ma montre ici pour environ 10 ou 15 minutes. Et nous commencerons la communion. Now, do you love me? Amen. Amen. Maintenant, l'aimez-vous? Amen. And I know you've had a great time, haven't you? Et je sais que vous avez passé des moments merveilleux, n'est-ce pas? Amen. If you're a Brother Thomas kid and sister kid, all the way down from Ohio.
Tiens, mais c'est frère Thomas Kidd et sœur Kidd qui sont là, qui ont fait tout le trajet depuis l'Ohio. I guess they've been up. Oh, that's fine. I hope it's on tape and I'll get it. Je suppose qu'on les a déjà fait monter ici. Oh, c'est très bien. J'espère que c'est enregistré et que j'obtiendrai la bande. You know, they don't give up. They're just a few days under 100, but that's what keeps me courageous is to see people like that. Vous savez, ils n'abandonnent pas. Ils sont à quelques jours d'avoir 100 ans. Mais c'est ce qui fait que je garde courage. C'est de voir des gens comme eux. Think, I'm an old man, and before I was born, he was preaching the gospel. And then, here I am an old man. Pensez-y, je suis un vieil homme, et même avant que je sois né, il prêchait l'évangile. Et alors, me voici un vieil homme. And they, if they can't get out and make their voice ring out, et eux, s'ils ne peuvent pas aller quelque part faire entendre leur voix, they just take a tape recorder and go from hospital house to house preaching the gospel. That's mighty fine. Amen. Ils partent avec un magnétophone et vont d'hôpital en hôpital, de maison en maison, prêcher l'évangile. C'est formidable. Amen. I'm sure happy for them and for all those who's anticipated and this the service is here. Je me réjouis à cause d'eux et de tous ceux qui ont eu part aux réunions ici. Now, remember, we'll announce it now, the Lord willing, just as soon as the church is finished, which they claim will be about the 10th of February. Maintenant, souvenez-vous, nous allons annoncer cela, si le Seigneur le veut, là, dès que l'Église sera achevée, ce qu'il prévoit vers le 10 février. Well, we're, the Lord willing, we want to take at least 8 or 10 days or maybe 2 weeks on those 7 seals of revelations. Alors, nous allons, si le Seigneur le veut, nous voulons prendre au moins 8 ou 10 jours, ou peut-être 2 semaines, sur les 7 sceaux de l'Apocalypse. And we'll send out cards to our visiting people from around, from home here. Nous enverrons d'ici des cartes à nos visiteurs d'un peu partout. And let them know plenty of time ahead, so if they take an ocean to come, well, we sure be glad to have you here. Pour les informer bien à l'avance. Et alors, s'ils décident de venir, eh bien, cela nous fera vraiment plaisir de vous accueillir. And maybe the Lord will give us another display of His presence like He did the last time when we got through the seven church ages. Et peut-être que le Seigneur nous accordera une autre manifestation de Sa présence, comme Il l'a fait la dernière fois, quand nous avons terminé les 7 âges de l'Église. You ever want to pray for somebody? Well, remember me all the time, because I'm one who really needs it. Si jamais vous désirez prier pour quelqu'un, eh bien, pensez à moi tout le temps, parce que je suis quelqu'un qui en a vraiment besoin. Now, I'm kind of ashamed myself to take up these 10-15 minutes here to say a little something before we start, but let's bow our heads just a moment. Maintenant, ça me gêne un peu de prendre ces 10 ou 15 minutes ici pour dire un petit quelque chose avant que nous commencions. Mais courbons la tête un instant. Lord Jesus, oh, the battle will be over someday. Seigneur Jésus, oh, un jour la bataille sera terminée. And there will be no more sick to be prayed for, and there will be no more sinners to repent. Et il n'y aura plus de malades pour qui prier, et il n'y aura plus de pécheurs qui se repentent. But Father, while this day is what it is, let us work while we have light to work in, for the hour cometh when no man can work. Mais Père, pendant que ce jour est ce qu'il est, donne-nous de travailler pendant que nous avons de la lumière, pour nous permettre de travailler, car l'heure vient où personne ne pourra travailler. Now for just a few moments, Lord, I'd feel bad if I did, I closed off this year without saying a few more words. Maintenant, je prendrai seulement quelques instants, Seigneur. Sinon, je m'en voudrais de terminer l'année sans avoir dit encore quelques mots. Help me, Father, I pray, that I might say something that would plant courage in the heart of thy people. Aide-moi, Père, je te prie, à dire quelque chose qui sèmera du courage dans le cœur de ton peuple. That we could leave here tonight after taking the communion and we realize that in the communion there is strength.
Alors, nous pourrons partir d'ici ce soir, après avoir pris la communion, et nous savons qu'il y a de la force dans la communion. Israël a pris la communion first down in Egypt and walked 40 years without their shoes wearing out or their clothes getting threadbare. Israël a pris la communion d'abord, là-bas, en Égypte. Ils ont marché pendant 40 ans sans que leurs souliers s'usent ou que leurs vêtements s'élimment. And out of 2 million people, there wasn't a feeble one among them when they come out of the wilderness. Et sur 2,5 millions de personnes, il n'y en avait pas un seul d'entre eux qui était faible quand ils sont sortis du désert. Lord, let us remember that tonight. As we approach this great hour, in Jesus' name we pray, amen. Seigneur, fais que nous nous rappelions cela ce soir, comme nous approchons de cette grandeur. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. If I should speak the context that I had wrote down that I was going to start on this afternoon, I would be here at 5 o'clock in the morning. Si je traitais du contexte que j'avais noté cet après-midi dans l'intention de l'aborder, nous serions encore ici à 5 heures du matin. But I want to read just a word from, thank you, from Ephesians, the 6th chapter, 12th verse. And just for a few moments now, for courage. Mais je veux lire juste une parole dans, merci, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Seulement quelques instants maintenant pour puiser du courage. For we wrestle not against flesh and blood. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. But against principalities, against powers. Mais contre les dominations, contre les autorités. Against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Contre princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Spiritual wickedness in high places. Les esprits méchants dans les lieux célestes. And I'd like to draw from that a little 10 or 15 minutes context or text rather. I want to call it the contest. Et j'aimerais tirer de cela, pendant 10 ou 15 minutes, un petit contexte, ou plutôt un petit texte, que je désire intituler « Le combat ». A contest is a test of strength. Un combat est une épreuve de force. And we, where we have the test strength. Et nous, ce par quoi on teste les forces. We used to have the Indians used to put a fire. Autrefois, les Indiens faisaient un feu. And they would put so many men on this end of the rope and so many on this end. Et ils mettaient un certain nombre d'hommes à ce bout-ci de la corde et un certain nombre à ce bout-là. And the tug of war, the contest of strength would pull the losing party across the fire. Et le tir à la corde, le test de force, avait pour but de tirer l'équipe perdante pour les faire passer à travers le feu. And now, we know there's many things and we could base this upon for a few minutes of contest. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous servir à développer pendant quelques instants ce sujet du combat. But I want to speak for these minutes quickly upon the greatest contest there is, that's between the church and Satan. Mais je désire utiliser ces minutes pour parler brièvement du plus grand combat qui existe, celui qui se livre entre l'Église et Satan. That great strength of Satan. Cette grande force de Satan. And we want to speak of the great strength of God in His church. Et nous désirons parler de la grande force de Dieu dans son Église. Now, this great contest has been going on for many years. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. It started in heaven, and Satan was kicked out into the earth. Il a commencé au ciel, d'où Satan a été précipité sur la terre. And then he became an enemy to God's people. Et est alors devenu ennemi du peuple de Dieu.
And since then, he's used all of his strength and his strategy to try to pull God's people across the fires, or into his fires. Et depuis lors, il a employé toute sa force et toute sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu sur les feux, ou dans les feux. And we know that who has the most power? God does. Et nous savons qui a le plus de puissance, c'est Dieu. Amen. And God, when he gave his people the best thing that he could to combat Satan with was his word. Et Dieu, quand il a donné à son peuple la meilleure chose pour combattre Satan, il lui a donné sa parole. Now because the word is God, and who's stronger than God? En effet, parce que la parole est Dieu, et qui est plus fort que Dieu? So the word is God, and the word becomes our strength. Donc, la parole est Dieu, et la parole devient notre force. God in the church becomes his strength to pull Satan to his own fires. Amen. That he has made. And the tug goes on. Dieu, dans l'Église, devient la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses feux qu'il a fait. Et la lutte se poursuit. Now, Jesus said in Mark 16, in my name they shall cast out devils. Or, Jésus a dit dans Marc 16, en mon nom ils chasseront les démons. Now, I know that's an old saying that people, or there is an old saying that, and it's not so old either. Bon, je sais que c'est un vieux dicton que les gens, ou il y a un vieux dicton que, et en fait, il n'est pas si vieux. People don't believe in demons in this day. Les gens ne croient pas aux démons aujourd'hui. But the thing to do, to my opinion, is know your enemy. Mais ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est connaître votre ennemi. And know your enemy and train for the contest that you're going to have when you meet him. Because you're going to meet him. Et connaître votre ennemi et vous entraîner pour le combat que vous allez livrer lorsque vous le rencontrerez. Parce que vous allez le rencontrer. And know him, know what his strength is, and then train for this contest when you do meet him. Et le connaître son point fort. Ensuite, vous entraînez pour le combat qui se livrera lorsque vous le rencontrerez. For it's one thing sure, you're going to meet him. Car une chose est sûre, vous allez le rencontrer. And so you train for the contest. Donc, entraînez-vous pour ce combat. Now, training for a contest is just like a boxer. Maintenant, s'entraîner au combat, c'est comme ce que fait un boxeur. His enemy that he's going to meet out there in a contest to fight. Son ennemi qu'il va affronter là-bas dans un combat, un match. A real good fighter usually knows and studies his opponent. Un très bon boxeur, d'habitude, il connaît et il étudie son adversaire. Studies his licks, knows where he fights for. Il étudie ses frappes, sait d'où il décoche ses coups. Whether he leans forward, hangs back, fights right-handed or left-handed. S'il se penche en avant, s'il reste en arrière, s'il se bat de la main droite ou de la main gauche. He studies all this. Il étudie tout ça. And then if he's a good smart fighter, he gets him a sparring partner that'll fight just like his opponent fights. Et si c'est un bon boxeur intelligent, il va se trouver un partenaire d'entraînement qui se bat exactement comme son adversaire. For he'll know all his licks when he gets to that place. Car il connaîtra alors tous ses coups lorsqu'il arrivera là-bas. I think that's a very good thing for Christians to do. That's right. Je trouve que ça, c'est une très bonne chose à faire pour les chrétiens. C'est vrai. And now, if you want to start training, start
With John 3:16, the golden rule. Et maintenant, si vous voulez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 3:16, la règle d'or. Start right out with that, and that'll get you on the floor. Commencez tout de suite avec cela, ce qui vous fera entrer sur le ring. And then train for the knockout punches. Ensuite, entraînez-vous pour les coups qui mettent KO. Because you're going to have to use them. Everybody knows that. Parce que vous devrez les utiliser. Ça, tout le monde le sait. You have to train to hit your enemy. Vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. And always God uses his word. We must remember that God uses his word to defeat his enemy. Et Dieu utilise toujours sa parole. Nous devons nous rappeler que Dieu utilise sa parole pour vaincre son ennemi. If God could think or could have given his people anything better to defeat the enemy with, he would have done it. Si Dieu avait pu envisager ou donner à son peuple quelque chose de mieux avec quoi vaincre l'ennemi, il l'aurait fait. So as I've always said, donc, comme je l'ai toujours dit, when God makes a decision, that's the best that there is. He never has to alter his decisions. Quand Dieu prend une décision, c'est la meilleure qui soit. Il n'a jamais besoin de modifier ses décisions. So the first decision God gave his people in the Garden of Eden to combat the enemy was his word. Alors, la première décision, ce que Dieu a donné à son peuple dans le jardin d'Éden, comme moyen de combattre l'ennemi, c'était sa parole. They were fortified with his word. Ils étaient fortifiés par sa parole. And now the enemy is going to study a strategy with the word. Alors, l'ennemi va étudier notre stratégie par la parole. And now Satan studied that all out so perfectly that when he came to Eve. Et Satan donc a étudié tout cela si parfaitement que lorsqu'il est venu à Ève. He had the best strategy he could use upon her, and that was to reason with the word. Il avait la meilleure stratégie qu'il pouvait utiliser sur elle. C'était de raisonner avec la parole. Now you never want to reason with God's word. Just believe him. Or, vous ne devez jamais raisonner avec la parole de Dieu. Croyez-la, c'est tout. Don't try to explain it. Don't try to figure it out. Ne cherchez pas à l'expliquer. Ne cherchez pas à la comprendre. Now you cannot figure out God, so God is the word and it's just made to believe. En effet, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Et alors, Dieu est la parole, et elle est faite pour être crue, c'est tout. And that's our strength, just accept the word. Et c'est là notre force, d'accepter simplement la parole. And anyone knows that a seed in the right kind of ground will produce its kind. Et tout le monde sait qu'une semence dans la bonne sorte de terre produira selon son espèce. And we just take the word. Nous recevons simplement la parole. And now Eve began to stop to reason when she quoted the word to him. And God said, "You should not eat thereof, for the day you eat thereof, that day we die." Et voilà qu'Ève s'est arrêtée pour raisonner lorsqu'elle lui a cité la parole. Dieu a dit, vous ne devez pas en manger, car le jour où vous en mangerez, ce jour-là, nous mourrons. And Satan never disagreed with her. He said, "Certainly, that's right." Et Satan ne lui a pas donné tort. Il a dit, "Certainement, c'est vrai." But he said, "You see, you need some new light, something a little different from what God said." Mais il a dit, "Tu vois, vous avez besoin de lumière nouvelle, quelque chose d'un peu différent de ce que Dieu avait dit." And if you do it, you'll be just a little smarter. Your eyes will be open. Et si vous faites cela, vous serez un peu plus intelligent. Vos yeux s'ouvriront. But she said, "Well, God said we would die." Mais elle a dit, eh bien, Dieu a dit que nous mourions. Said, "Oh, surely." Il a dit, oh, certainement que... See, there you come. Yeah. Just that much.
surely you won't die, but God said you would. And that settles it. Voyez, voilà, juste ce petit bout-là. Certainement que vous ne mourrez point. Mais Dieu a dit que vous mourriez. Un point, c'est tout. And that broke that great tug of war then and pulled the whole human race into death. Because Eve listened to a reasoning against God's word. Et voilà ce qui a causé la cassure de ce grand tir à la corde et qui a précipité toute la race humaine dans la mort. C'est parce qu'Ève a écouté un raisonnement qui s'opposait à la parole de Dieu. Now, it's a shame that she did it, but it's done past. Et c'est dommage qu'elle ait fait ça, mais c'est fait. But now we're still fortified and that link was made up in Christ Jesus, we know that. Maintenant, par contre, nous sommes encore fortifiés, car le maillon a été refait en Jésus-Christ. Nous le savons. God gave us our best defense, just simply to trust His word. Dieu nous a donné notre meilleur moyen de défense, de se fier simplement à sa parole. You know, and many say today that there is no such a thing as a devil. Vous savez, et bien des gens aujourd'hui disent que le diable n'existe pas. They believe that it's just simply a thought. They believe that. Ils croient que ce n'est qu'une pensée, tout simplement. C'est ce qu'ils croient. And there's people that believe that if the Holy Spirit is a good thought, and if the devil is a bad thought. Et il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une bonne pensée et que le diable est une mauvaise pensée. But if you notice when the Bible speaks of the Holy Spirit. Mais si vous remarquez, quand la Bible parle du Saint-Esprit, il a dit when he, the Holy Spirit, has come, and he's a personal pronoun. See? Quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit, et lui est un pronom personnel, voyez. So he is a person. Donc lui, il est une personne. And the devil is a person. And demons are persons. Et le diable est une personne. Et les démons sont des personnes. Amen. Yes, they are demons. And they come in many ways. Oui, ce sont des démons. Et ils se présentent de bien des manières. But they think it's an old-fashioned idea. Mais on pense que ça, c'est une conception vieillotte. Man was arguing with me here a few weeks ago. He said, un homme discutait avec moi ici il y a quelques semaines. Il disait, you know what you do? You just set those people's mind to thinking something when you tell them that thing. It's just a change of thought. Vous savez ce que vous faites? Vous disposez simplement l'esprit des gens à penser une certaine chose quand vous leur dites cette chose-là. C'est simplement un changement de pensée. I met that very same thing. In India one time, one of those holy men. J'ai eu à faire face à la même chose en Inde une fois. Les saints hommes de là-bas. There where we had, I believe, the largest audience I ever spoke to in one standing audience of being 500,000 people. Où nous avons eu, je crois, l'assistance la plus nombreuse à laquelle j'ai jamais prêché lors d'une seule réunion, un 500,000 de personnes. And I caught it by discernment. In the spirit. Et j'ai capté cela par le discernement de l'esprit. And they would see the Holy Spirit call people and call them out into the audiences and tell different things. Ils voyaient le Saint-Esprit désigner des gens, les désigner dans l'assistance et dire différentes choses. And catching their thought, the rajas and the holy men. Et je captais leurs pensées, les rajas et les saints hommes. They said he's reading their mind. Il disait, il lit dans leurs pensées. So, a few moments, about five or six, had passed through the prayer line. Alors, au bout de quelques instants, environ cinq ou six personnes étaient passées dans la ligne de prière. And a blind man come through, and he was totally blind. Et un aveugle est venu. Il était complètement aveugle. And his eyes were as white as my shirt. Ses yeux étaient aussi blancs que ma chemise.
And I said, now here is a blind man. Anyone can see he's blind. Et j'ai dit, maintenant voici un aveugle. Tout le monde peut voir qu'il est aveugle. And I said, if I could help him, I would do so. Et j'ai dit, si je pouvais l'aider, je le ferais. But the only way I could do would be by a gift to maybe say something that he has done. Mais le seul moyen pour moi de le faire, ce serait par un don, peut-être en signalant quelque chose qu'il a fait. And that would give thought that if God know what he has done, he certainly would know what he's going to do. Ce qui donnerait à penser que si Dieu sait ce qu'il a fait, il sait certainement ce qu'il va faire. So, I said now, looking at him, I said now he's a worshipper of the sun. He's been blind 20 years. Alors j'ai dit, maintenant je le regarde. J'ai dit, c'est un adorateur du soleil. Il est aveugle depuis 20 ans. And when the interpreter said it, that was right. Et lorsque l'interprète le lui a dit, c'était exact. I said he's a married man. His wife is rather small. And he has two sons, one about 7, 1, 9. J'ai dit, c'est un homme marié. Sa femme est plutôt petite. Et il a deux fils, l'un d'environ 7 ans et l'autre de 9 ans. That was exactly right. Call their names, what it was. C'était tout à fait exact. J'ai dit leur nom, comment ils s'appelaient. Then out in the audience, in the place where the people were, there come that wave in. Puis, de l'assistance, de l'enceinte où se trouvaient les gens, c'est venu comme une vague. It's mental. It's something on the order of a psychic reading of their mind. C'est mental. C'est quelque chose comme de la lecture télépathique de pensée. Then I thought, Lord, if you'll just help me, I need your help, Lord. Alors j'ai pensé, Seigneur, si tu veux bien me venir en aide, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. These people are trying to class this a telepathy, and it's not, and you know it, Lord. Ces gens essayent d'assimiler cela à de la télépathie. Ce n'en est pas, et tu le sais, Seigneur. Yet I've given the scripture that Jesus said he did nothing till the Father showed him. Pourtant, je leur avais donné le passage de l'Écriture, celui où Jésus a dit qu'il ne faisait rien sans que le Père le lui ait d'abord montré. And then turning to look at the man again, I saw him just above there in a vision with just as good eyes as I am. Oh, now is the time. Puis, en me retournant pour regarder cet homme de nouveau, je l'ai vu, juste au-dessus, là, en vision. Il avait d'aussi bons yeux que les miens. Je me suis dit, c'est maintenant le moment. I said, this man is a worshipper of the sun. Now, and he's gone blind. J'ai dit, cet homme est un adorateur du soleil. Voilà, et il est devenu aveugle. I said, now, there's the Mohammedan priest. Et j'ai dit, maintenant, là, il y a les prêtres mahométans. And there's the priest of the Sikhs, Jains, and the different types of religion, Buddha. Il y a les prêtres des Sikhs, des Jains, et des différents types de religions, de Bouddha. Now, this man wants to receive his sight. Et cet homme désire recouvrer la vue. Now, you would say that he worshipped the creation instead of the creator. Or, vous direz qu'il a adoré la création au lieu du Créateur. I believe that too. But here we sit tonight. Je le crois aussi. Mais nous voici ici ce soir. I said, and we've been, today I was entertained in the Jains temple where 17 different religions was there to interview me and every one of them against Christ. Every one. J'ai dit, et on nous a... Aujourd'hui, on m'a reçu dans le temple des Jains, où 17 religions étaient présentes pour m'interroger. Et toutes, elles sont contre Christ. Toutes. And I said, now, and many of you men was down there. Et j'ai dit, alors, et bon nombre d'entre vous, messieurs, vous y étiez. Now, if Christ is so wrong,
then this man wants to be right. Maintenant, si Christ, c'est une fausseté, alors cet homme désire être dans le vrai. And surely the God of creation who made the world will be the only one who can give him his sight. Et certainement que le Dieu de la création, qui a fait le monde, sera le seul à pouvoir lui rendre la vue. That's reasonable. And I said, now if any of you people, the Mohammedan here is the leading religion. Cela va de soi. Et j'ai dit, maintenant si n'importe lequel d'entre vous, le mahométisme étant la religion principale ici. If the Mohammedan priest will come here and give him his sight, then I'll follow Mohammedan. Si le prêtre mahométan vient lui rendre la vue, alors je me ferai disciple du mahométisme. Or if the Buddha priest will come give him his sight. Ou si le prêtre bouddhiste vient lui rendre la vue. But let the God who made him. Mais que le Dieu qui l'a créé. The God, somebody's God somewhere. Because there has to be. Amen. We can't have a creation without a creator. Le Dieu, il y a quelque part quelqu'un qui est Dieu, forcément, puisqu'on ne peut pas avoir une création sans qu'il y ait un créateur. And it'll take a creator to create sight in his eyes. Il faudra un créateur pour créer la vue dans ses yeux. He'd been blind 20 years from looking at the sun, thinking he'd go to heaven if he did it. Voilà 20 ans qu'il est aveugle pour avoir regardé le soleil. Il pensait qu'il irait au ciel s'il le faisait. A man ignorantly done that. Cet homme a fait cela par ignorance. I said, what would you Buddha priest do? J'ai dit, qu'est-ce que vous, les prêtres bouddhistes, vous feriez? You just change his way of thinking. You'd say he's wrong. Vous changeriez seulement sa façon de penser. Vous diriez qu'il a eu tort. They worship their dead ancestors. Eux, ils adorent leurs ancêtres morts. Now I said, you'd say he was wrong. Et j'ai dit, bon, vous seriez d'avis qu'il, vous diriez qu'il a eu tort. But what would you do? You'd change his way of thinking. Mais qu'est-ce que vous feriez? Vous changeriez sa façon de penser. Now I said, what would the Mohammedan do? Change his way of thinking. Et j'ai dit, qu'est-ce que les Mahométans feraient? Ils changeraient sa façon de penser. The Sikhs, Jains, and so forth change your way of thinking. Les Sikhs, les Jains, et ainsi de suite, ils changent la façon de penser des gens. I said, we have the same thing in the United States. J'ai dit, nous avons la même chose aux États-Unis. The Methodists all want to make all the Baptists become Methodists. Tous les méthodistes veulent amener tous les baptistes à devenir méthodistes. The Pentecostal wants to take all the Methodists and make them Pentecostals. Et les pentecôtistes veulent faire de tous les méthodistes des pentecôtistes. It's a change of thought. C'est un changement de pensée. But that's not what we're talking about. We're talking about God the Creator. Amen. And I said, surely the Creator would speak. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de Dieu, le Créateur. Et j'ai dit, sûrement que le Créateur parlera. Or, je n'aurais pas dit ça s'il n'y avait pas eu cette vision, en aucun cas. Alors j'ai dit, maintenant lui, s'il vient lui rendre la vue, qu'il soit Dieu. Et j'ai dit, maintenant je mets au défi tout prêtre ou Raja. Or holy man, or any what it might be. Ou saint homme, ou quoi que ce soit. Come give him his sight and I'll follow your philosophy. You've made a convert. Venez lui rendre la vue, et j'adopterai votre philosophie. Vous aurez fait un converti. That's the quietest bunch of people I ever heard. Nobody did it. C'était le groupe de gens le plus silencieux que j'ai jamais entendu. Voyez, personne n'a bougé. I said, what are you so quiet about? Et j'ai dit, pourquoi êtes-vous si silencieux? I said, the reason you are is because you can't do it, and neither can I. J'ai dit, la raison pour laquelle vous l'êtes, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Et moi non plus, je ne peux pas. But the God of heaven, who raised up his son Jesus Christ, whose servant we are. Mais le Dieu du ciel,
qui a ressuscité son fils Jésus-Christ, dont nous sommes le serviteur. Has just showed me a vision that the man's going to receive his sight. Vient de me montrer en vision que cet homme va recouvrer la vue. Voyez? I said, now, if that be not so, then you can order me out of India. J'ai dit, maintenant, s'il n'en est pas ainsi, alors faites-moi expulser de l'Inde. But if it is so, every one of you owe your life to Jesus Christ. Mais s'il en est ainsi, chacun de vous se doit de donner sa vie à Jésus-Christ. I would like to ask you, how many in here will give your life to Christ if this blind man receives his sight? Je voudrais vous demander ceci. Combien ici donneront leur vie à Christ si cet aveugle recouvre la vue? You see your priest? Nobody comes up here. Vous voyez vos prêtres? Personne n'est monté ici. Why don't they come if they've told you their religion is so big and so great? Pourquoi ne viennent-ils pas alors qu'ils vous ont dit que leur religion est si grande et si importante? Why don't somebody come and say something? Pourquoi quelqu'un ne vient-il pas dire quelque chose? Nobody come. Personne n'est venu. I said, then you people out there, if you see this blind man standing here. J'ai dit, alors vous, dans l'auditoire, si vous voyez cet aveugle qui est ici présent. And up come a doctor to examine his eyes. He shook his head, he said, he's blind. Et là, un médecin est venu examiner ses yeux. Il a secoué la tête. Il a dit, il est aveugle. And so I said, certainly he's blind. But I said, if God gives him his sight, how many of you will serve Jesus Christ? Alors j'ai dit, bien sûr qu'il est aveugle. Mais j'ai dit, si, et si Dieu lui rend la vue, combien d'entre vous serviront Jésus Christ? Just as far as I could see oceans of black hands. Et à perte de vue, devant moi, des océans de mains noires. Turn to the man and said, Lord Jesus, let it be known that thou art God. Je me suis tourné vers l'homme. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'on sache que tu es Dieu. The man grabbed me around the neck. L'homme m'a sauté au cou. And there sat the mayor of Bombay sitting there, grabbed him around the neck, see as good as anybody could. Et il y avait là le maire de Bombay, assis là. Il lui a aussi sauté au cou. Il voyait aussi bien que n'importe qui. What is it? It's actually a power. Qu'est-ce que c'est? C'est réellement une puissance. Amen. God is God. Amen. And Satan is Satan. Amen. Dieu est Dieu et Satan est Satan. If you don't believe in the devil, when I first got started, I run headlong into him every day. Si vous ne croyez pas au diable, au début, quand j'ai commencé, je me heurtais contre lui tous les jours. Don't tell me there's no devil because I know better. Ne me dites pas que le diable n'existe pas, parce que je sais que ce n'est pas vrai. Amen. I have to fight with him every day. So I know there is a devil. Je dois me battre avec lui tous les jours. Alors je sais que le diable existe. And you must be trained when you meet him. Et il faut avoir reçu un bon entraînement quand on le rencontre. Not trained in psychology, not trained in education, but trained by the Holy Spirit. Pas un entraînement par la psychologie, pas un entraînement par l'instruction, mais un entraînement par le Saint-Esprit. God's power in his word to make it manifest. La puissance de Dieu dans sa parole pour la manifester. Know your enemy. Oh, what a cruel thing he is. Connaissez votre ennemi. Oh, qu'il est cruel. How I would like to stand here now and lay on to that. Comme j'aimerais rester là en ce moment et insister là-dessus. Go back to the Bible. Show your man. Back there who come face to face with. Parcourir la Bible pour vous montrer tout au long l'homme qui s'est trouvé face à face avec lui. How in the contest against the enemy they fortified themselves by the word of God. Comment dans le combat contre l'ennemi ils se sont fortifiés par la parole de Dieu. Noah had an experience of it. And he knew that God told him to go to rain.
Noé a vécu cette expérience. Il savait que Dieu lui avait dit qu'il allait pleuvoir. Et le combat faisait rage entre la science et la parole de Dieu. La science qui dit que cela ne peut pas arriver. Dieu qui a dit que cela arrivera. Amen. That same thing exists today. It will happen. La même chose existe aujourd'hui. Cela arrivera. It does happen. Et cela arrive. Yes. There is devils. Les démons existent. But Jesus cast them out. Mais Jésus les a chassés. And he gave his church authority to do so. Et il a donné à son église l'autorité de faire de même. Cast out devils in my name. Chassez les démons en mon nom. He cast seven devils out of a pretty woman one day. Il a chassé sept démons d'une jolie femme un jour. And he said, when the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places, returning back then, bringing seven other devils with him. Et il a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, puis il revient, amenant avec lui sept autres démons. Now that goes to show that if the man was cleaned of devils, there was something was in him that had gone out. Donc, ça montre bien que si cet homme a été purifié de démons, quelque chose qui se trouvait en lui était sorti. A devil had gone out. Un démon était sorti. Now, when the devil moved out, that God gives God an opportunity to move in. Amen. Maintenant, lorsque le diable est sorti, cela, Dieu donne à Dieu la possibilité d'entrer. Amen. So, and when he goes out, let the Holy Spirit come in. Donc, lorsqu'il sort, il faut laisser entrer le Saint-Esprit. Don't just leave it there. Non, restez pas là. If you do, just repent of your sins and go on, then you're going to be worse off than ever. Amen. Sinon, si vous vous repentez seulement de vos péchés et que vous poursuivez votre chemin, alors vous serez pire que jamais. But get that place where Satan once lived and occupied. Amen. Mais ce lieu que Satan habitait et occupait autrefois, get it filled with the Holy Spirit of God. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit de Dieu. And then you'll have the strength of God's word in you manifested and cast out devils. Et là, vous aurez en vous la force de la parole de Dieu manifestée et vous chasserez les démons. Amen. Contest is on. Le combat se poursuit. Evening lights are shining. Les lumières du soir brillent. God's Holy Spirit is present. Le Saint-Esprit de Dieu est présent. And now, it's just about 3 minutes until the time that the whistles are going to be blowing, and it will be midnight. Et maintenant, dans environ 3 minutes, ce sera le moment où les sifflets vont retentir. Il sera minuit. Then as we leave this building to go to our different places in our homes. Alors, comme nous quitterons ce bâtiment pour rentrer à différents endroits et dans nos foyers. And to meet outside. And to meet the world. Et pour affronter l'extérieur, pour affronter le monde. Let's not go as we have in former times. N'y allons pas comme nous l'avons fait dans le passé. Let's go in the power of his resurrection. Allons-y avec la puissance de sa résurrection. Let's go in the name of Jesus Christ with a banner lifted high. Allons-y au nom de Jésus-Christ en dressant bien haut la bannière. And with faith in his word, the handle, the two-edged sword. Et avec la foi dans sa parole pour pouvoir manier l'épée à deux tranchants. With the shield and the full armor of God on to meet the enemy.
en prenant le bouclier et l'armure complète de Dieu pour affronter l'ennemi. Because he's getting stronger and more powerful every day. Parce qu'il devient chaque jour plus fort et plus puissant. As the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises up a standard against him. Alors que l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Si nous sommes arrivés à la fin de ces choses que nous... And the mysteries of God has been completed with us, et si c'est avec nous que les mystères de Dieu ont été menés à terme, we are looking for more strength, a rapture strength. Alors, nous cherchons plus de force, une force pour l'enlèvement. Pour affronter une force plus terrible, ce qui enlèvera l'Église et l'emportera dans la gloire. We must have it. Il faut absolument que nous ayons ça. Let's meet 63 with a challenge. We are the servants of the living God. Affrontons 1963 avec ce défi. Nous sommes les serviteurs du Dieu vivant. Hey, I'm like Shadrach, Meshach and Abednego of old. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego d'antan. We'll not bow to the devils of this world. Take back this thing that what we've talked about, but let's press the battle. Amen. Nous ne nous inclinerons pas devant les démons de ce monde et nous ne retirerons pas ce que nous avons dit. Au contraire, continuons le combat. Amen. I feel tonight as we're listening for them whistles. Je ressens ce soir, pendant que nous tendons l'oreille pour entendre ces sifflets. Something like David did that dreadful hot night. When he laid out there under them mulberry bushes and the enemies are routing. Un peu ce que David a ressenti cette nuit chaude et redoutable où il s'était tendu là-bas sous les buissons du mûrier alors que l'ennemi était en éveil. What an hour it must have been for David. Quelle heure cela a dû être pour David. What a time for him laying there. Quel moment pour lui étendu là. He didn't know how to move. He didn't know what to go. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Il ne savait pas quoi faire. Because he knew he was outnumbered. Parce qu'il savait qu'ils étaient plus nombreux que lui. But all at once he heard the sound of a wind going through the top of the bushes. Mais tout à coup, il a entendu un bruit de vent qui soufflait dans les cimes des buissons. He knew God went on before him, and he went to the battle. Il a su que Dieu marchait devant lui et il est allé au combat. C'est un peu ce que je ressens ce soir, après le message d'hier soir. Je me trouve à l'heure la plus sombre à laquelle j'ai jamais fait face de toute ma vie. Je me sens comme Ésaïe au temple, après avoir vu ses anges. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais écoutez, je dois affronter cela d'une façon ou d'une autre. And the only thing I'm waiting to hear that rushing through the mulberry bushes. Seulement, j'attends d'entendre passer ce souffle dans les buissons du mûrier. To go to meet the enemy wherever it is. God help us to do it. Afin d'aller affronter l'ennemi où qu'il soit, que Dieu nous aide à le faire. And now I think it's 1 minute until 12 o'clock and. 62 with all of its past, let's let it be past. Maintenant, je crois qu'il est minuit moins une. Et 1962, avec tout son passé, laissons-le être du passé. Let us stand to our feet now. Hallelujah. Each and every one of us. Yes.
The context is on. Levons-nous maintenant, chacun d'entre nous. Le combat se poursuit. Each one of you. Paul said, forgetting those things that are in the past. Chacun de vous, Paul a dit, oubliant les choses qui sont du passé. All our mistakes of last year, I press towards the mark of the high calling. Toutes nos erreurs de l'année dernière, je cours vers le but de la vocation céleste. All my mistakes that I made in all these years, forgive me for them. Toutes les erreurs que j'ai faites pendant ces années passées, pardonnez-les-moi. God forgive me. Church forgive me. Oh Dieu, pardonne-moi. Église, pardonnez-moi. And the ministry that I fail with, I feel. God forgive me for it. Et le ministère que j'ai l'impression de ne pas avoir rempli convenablement. Oh Dieu, pardonne-moi cela. Hey. Church forgive me my mistakes. Église, pardonnez-moi mes erreurs. Now press towards the mark of the high calling in Christ Jesus. Et je courais vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Whatever tomorrow holds, I don't know, but I know who holds 1963. Ce que demain nous réserve, je n'en sais rien, mais je sais qui tient 1963 dans sa main. Let us raise our hands to God now and let us pray in our own way. Maintenant, levons nos mains vers Dieu et prions chacun à notre façon. As we make our confessions and ask God to help us through this next coming year. En faisant nos confessions et en demandant à Dieu de nous aider pendant l'année qui vient. Heavenly Father, as we stand here, as many thoughts is dying out in our hearts. And all the mistakes of last year. Père céleste, comme nous sommes debout ici et que dans nos cœurs beaucoup de pensées sont en train de s'éteindre et les erreurs de l'année dernière. And as we are approaching the death of 62 and the birth of 63. Comme nous approchons de la mort de 1962 et de la naissance de 1963. Oh God, may we be one step higher up the ladder until we can see Jesus and His program. Oh Dieu, fais que nous ayons gravi un échelon de plus sur l'échelle, afin que nous puissions alors voir Jésus et son programme. May everyone hear, Lord, in prayer while the old year is dying and the new birth of the new year is coming in. Que tous ceux qui sont ici, Seigneur, en prière, pendant que la vieille année s'éteint et que la nouvelle naissance de cette nouvelle année arrive. May the old man, sin and unbelief die out in our hearts. Puisse le péché et l'incrédulité du vieil homme s'éteindre dans nos cœurs. And the new birth come in with the 1963 like a rushing mighty wind. Et la nouvelle naissance y entrée avec l'année 1963 comme un vent impétueux. That might fill our bees and make us new creatures in Christ. Qui remplira nos êtres et fera de nous de nouvelles créatures en Christ. Make us fit servants. Fais de nous de bons serviteurs. Forgive our past, bless our future. Pardonne notre passé, bénis notre avenir. Guide us, O Lord God, with thy mighty hand, Jehovah. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, par ta main puissante, Jéhovah. Bless these ministers here. Bless all the laity, all the visitors. Bénis les ministres qui sont ici. Bénis tous les laïcs, tous les visiteurs. Be thou with us, Lord. Sois avec nous, Seigneur. We are your servants and we give ourselves wholly to you for 1963. Nous sommes tes serviteurs et nous nous livrons entièrement à toi pour 1963. That the power of your spirit might have more preeminence in our life and in our being. Afin que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de préminence dans notre vie et dans notre être. Help us, God.
Forgive us and help us, we pray. Aide-nous, ô Dieu. Pardonne-nous, aide-nous, nous t'en prions. Raise up mighty men. Raise up mighty warriors of the faith. Suscite des hommes puissants. Suscite de puissants combattants de la foi. Open this year, Lord, that hidden man, that rock beneath the rock. Cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée, ce roc sous le rocher. That we might see the program of God. Pour que nous puissions voir le programme de Dieu. Cap off the pyramids of our life, Lord. Coiffe la pyramide de notre vie, Seigneur. Put the capstone Christ Jesus upon each and every one of us. Place la pierre de fête, Jésus-Christ, sur chacun de nous sans exception. May his great, magnificent, holy blessings be upon us all. Que ses grandes et magnifiques saintes bénédictions soient sur nous tous. May the fire of the Holy Ghost come upon us. Que le feu du Saint-Esprit vienne sur nous. May the power of the resurrection be manifested. Que la puissance de la résurrection soit manifestée. God, how we thank you for you. Ô Dieu, combien nous te remercions ce soir. We are yours. We give ourselves fully to you, Lord. Nous sommes à toi. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. I go yonder not knowing where, how. Or what we'll do. Alors que je vais là-bas, ne sachant ni où, ni comment, ni ce que je ferai. I'm trusting you, Almighty God, that you'll guide me, your unprofitable servant. Je mets ma confiance en toi, Dieu Tout-Puissant, que tu me guideras, moi, ton serviteur inutile. And I might be used to the honor and the glory of the Almighty. Grant it, Father. Afin que je sois utilisé pour l'honneur et la gloire du Tout-Puissant. Accorde-le, Père. Receive our prayers. Bless our efforts. Accueille nos prières. Bénis nos efforts. Heal the sick and the afflicted, both spiritual and physically. Guéris ceux qui sont malades et affligés, tant spirituellement que physiquement. And make us thy servants. Et fais de nous tes serviteurs. We are the clay. You are the potter. Nous sommes l'argile. Tu es le potier. Mold us each one in your own way, that we might fit together with Christ Jesus as a member of his body. Façonne chacun de nous à ta manière, pour que nous puissions former ensemble un solide assemblage avec Jésus-Christ comme membre de son corps. For we asked it in Jesus' name, and for his sake, and for the gospel's sake. Amen and amen. Car nous le demandons au nom de Jésus, à cause de lui et pour la cause de l'Évangile. Amen et amen. Thank you, Father God. Merci, Dieu notre Père. We thank you for this new year exhortation. Nous te remercions pour cette exhortation du nouvel an. That sends us out with the hopes. Qui nous fait repartir avec l'espérance. And with the comfort of knowing that through the speaking of these words to these men who knew not. Et la consolation de savoir ceci, grâce à ces paroles adressées à ces hommes qui n'étaient pas au courant. That the message is true and you are asking us to stand by. Le message est vrai et tu nous demandes d'y être fidèles. We will do all that we know how, Lord, to stand by you and your word. Nous ferons tout ce que nous pouvons, Seigneur, pour t'être fidèles à toi et à ta parole. Receive us in the name of him who taught us all that we should pray like this. Accueille-nous au nom de celui qui nous a enseigné à tous que nous devons prier comme ceci. Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Thy kingdom come, thine will be done, in earth as it is in heaven. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Give us this day our daily bread. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. And forgive us of our trespasses, as we forgive those that trespass against us. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. The Lord bless you and keep you. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Now those now that must go to their homes, now it's 5 minutes after, it's 5 minutes and 63. Maintenant, ceux qui doivent rentrer chez eux, c'est maintenant 5 minutes après l'heure. C'est 5 minutes en 1963. Now, may God bless you. Alors, que Dieu vous bénisse. And you that want to stay for communion, you're just welcome to stay. We'd be glad to have you. Et vous qui désirez rester pour la communion, vous êtes vraiment les bienvenus. Nous serons heureux que vous vous joigniez à nous. It's not a closed communion, it's for every believer that's in fellowship with Christ. Ce n'est pas une communion fermée, c'est pour tous les croyants qui sont en communion avec Christ. You're welcome to stay and take the communion with us. Vous êtes les bienvenus si vous voulez rester pour prendre la communion avec nous. And the reason we do this is because this is the first thing, we're starting a journey. Et la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que c'est la première chose à faire, car nous nous mettons en route. And Israel, before they started the journey, et Israël, avant de se mettre en route, they killed the lamb and ate the bitter herbs and started their journey. Ils ont immolé l'agneau et mangé des herbes amères et ils se sont mis en route. I thought how appropriate this is tonight. Et je me suis dit, comme c'est opportun ce soir. L'agneau a été immolé, il a été préparé, c'est la fête et il est minuit. That's when they eat it, you know, at midnight. Amen. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont mangé, vous savez, à minuit. So let's, you want to stay with us and get ready for the journey to come that lays ahead. We'll be glad to have you. God bless you. Faisons de même. Vous qui désirez rester avec nous et vous préparer pour ce voyage qui est à venir, qui nous attend, nous serons heureux que vous vous joigniez à nous. Que Dieu vous bénisse. And you'd have to go now. They go to your homes. God be with you till I meet you again. Amen. Et vous qui devez partir maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que je vous revoie. Amen. The rest of you may be seated, and then we'll start the communion. The sister will. Les autres, vous pouvez vous asseoir, et là nous commencerons la communion. La sœur va. Très bien, monsieur. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Réunis au pied de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Let's sing it again while we're waiting, you know, for those who are going out. Chantons-le de nouveau pendant que nous attendons, vous savez, que ceux qui doivent partir soient sortis. Might get quiet, and then this is a very solemn thing.
Nous devons être au calme, car ceci est une chose très solennelle. Je vais lire quelque chose dans l'Écriture ici, dans un instant, quelque chose de très, très, très bon. And now, let's sing again. Maintenant, chantons-le de nouveau. Jusqu'à ce que nous... Let's just shake hands with somebody. If there's anything wrong in your life, that person is here. That you've wronged. Go to him now and make it up. Serrons la main à quelqu'un. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie et que la personne à qui vous avez fait du tort est ici, allez vers elle maintenant et réglez la chose. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu. Will the pianist come to the piano, please? Est-ce que le pianiste peut venir au piano, s'il vous plaît? Soit avec vous jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce que... Je remets tout ça entre tes mains, frère Neville. Jusqu'à ce que nous nous revoyons. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse, frère. Alléluia. He careth for you. Il prend soin de toi. He careth for you. Il prend soin de toi. Through sunshine or shadow. Dans la joie ou le chagrin. He careth Il prend soin de toi. Let's sing it again. Chantons-le de nouveau. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Dans la joie ou le chagrin. Il prend soin de toi. C'est beau, n'est-ce pas? Chantons-le encore pendant que le calme se fait. Il fermait les yeux de toi. Il prend soin de toi. Dans la joie ou le chagrin, il prend soin de toi. Heavenly Father, we are so glad that we found that true. Père céleste, nous sommes si heureux d'avoir découvert que cela est vrai. In our darkest hours or through the sunshine, he never leaves nor forsakes. Pendant nos heures les plus sombres ou quand le soleil brille, il ne nous délaisse ni ne nous abandonne jamais. We're so happy for that we have our confidences built up on nothing less than Jesus' blood with righteousness. Nous sommes si heureux de cela, de ce que notre confiance ne soit fondée sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. We trust, Lord, not in the fame of this world. Nous ne nous confions pas, Seigneur, dans la gloire de ce monde. We dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Nous ne nous confions, nous n'oserions jamais nous confier dans ses appuis, si agréable soit-il. Nous nous appuyons, au contraire, entièrement sur le nom de Jésus. How we thank thee, Father. Combien nous te remercions, Père. Now, we are just about to participate
and one of the very few natural articles that you left us. Maintenant, nous sommes sur le point de participer à l'une des ordonnances naturelles, très peu nombreuses, que tu nous as laissées. One of them was baptism. The other was communion. Next was feet washing. L'une, c'était le baptême. L'autre, la communion. Et la suivante, le lavage des pieds. Oh God, we just enter in solemnly, knowing that this lamb is a Passover lamb. Oh Dieu, nous y entrons donc de manière solennelle, sachant que cet agneau est l'agneau de la Pâque. The great wilderness journey lay just ahead of the children. Le grand voyage dans le désert était juste devant les enfants. The blood must first be put on the lintel of the door before the paschal lamb could be taken. Il fallait d'abord que le sang ait été appliqué sur le linteau de la porte avant qu'on puisse manger l'agneau pascal. God, examine our hearts now. Oh Dieu, sonde nos cœurs en ce moment. Is the blood there, Lord? Le sang est-il là, Seigneur? If it's not, we pray that you'll apply it just now. S'il n'y est pas, nous te prions de l'appliquer maintenant même. Amen. Taking away our sins and covering them. En ôtant nos péchés et en les couvrant. And they'll be divorced from us, Lord, the sins of this world. Alors, ils seront séparés de nous, Seigneur, les péchés de ce monde. That we might be holy and presentable to our Father. Et ainsi, nous pourrons être saints et présentables devant notre Père. Now, as we come to take the body and the shed blood of our Lamb, God's Son, our Savior. Maintenant, alors que nous venons prendre le corps et le sang versé de notre agneau, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Examine our hearts as we read, Father. Sonde nos cœurs pendant que nous lisons, Père. And then make us thine own. Et fais que nous soyons à toi. For we asked it in the name of the Lamb, Jesus Christ. Amen. Car nous le demandons au nom de l'agneau Jésus-Christ. Amen. In the book of Corinthians, the 11th chapter, I wish to read a few verses. Dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 11, je désire lire quelques versets. Beginning with the 23rd verse, I read this. It's Paul speaking to the Corinthian church. En commençant au verset 23, je lis ceci. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. That the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. And when he had gave thanks, he broke it and said, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, take and eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. At the same manner also he took the cup. De même, il prit la coupe. And when he had let me read it over. Et après avoir soupé, prit la coupe. Mais après avoir soupé, excusez-moi, je vais le relire. After the same manner he also took the cup, and when he had supped, saying. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit. This cup is the New Testament in my blood. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. This do in remembrance, as often as you drink this in remembrance of me. Faites ceci en mémoire, toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. So let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. For this cause, many are sick and weakly among you, many sleep. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, qu'un grand nombre sont morts. For if we should judge ourselves, we should not be judged. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. If any man hungry, let him eat at home. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. That you come not together unto condemnation. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. And the rest I will set in order when I come. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. As I think of this, the most solemn time. Quand je pense à ceci, ce moment des plus solennels. It's also written that when this communion was first given out, and feet washing. Il est aussi écrit que lorsque cette communion a été donnée pour la première fois et le lavage des pieds, which we have to omit tonight because we have no water. The waters are all cut off. Que nous devrons omettre ce soir parce que nous n'avons pas d'eau. L'eau est complètement coupée. And we didn't even have the restroom facilities tonight. Nous n'avons même pas pu utiliser les toilettes ce soir. Because they just had to splice it together the best they could for us to have this service tonight. Parce qu'ils ont juste fait des raccords du mieux qu'ils ont pu pour que nous puissions avoir cette réunion ce soir. But we will do as they did, said, I believe Luke stated, as they sang a hymn and went out. Mais nous ferons comme eux avaient fait. Il est dit, je crois que c'est Luc qui l'a déclaré, après avoir chanté un cantique, ils partirent. But do you know what this represents? Do you know at the beginning when this order was first made in Israel, down in Egypt? Mais savez-vous ce que ceci représente? Savez-vous, au commencement, lorsque cette ordonnance a été donnée pour la première fois en Israël, là-bas, en Égypte? They were on the road to the promised land, and that's what we feel like tonight. Ils étaient en route vers le pays promis. Et c'est ce que nous ressentons ce soir. That we are on the road to the promised land. Que nous sommes en route vers le pays promis. And the journey lays ahead of us. Et le voyage est devant nous. And they had a token that when the death angel came by, et ils avaient un signe lorsque l'ange de la mort passait. That there must be blood on the door or the elder son or the elder child died in the home. Il fallait qu'il y ait du sang sur la porte, sans quoi le fils aîné ou l'enfant aîné mourrait dans la maison. The thought was, and the real meaning was first to apply the blood. L'idée de cela et le véritable sens, c'était qu'il faut d'abord appliquer le sang. Did you notice how Paul placed it here? Avez-vous remarqué comment Paul a établi cela ici? If any eat unworthily, he eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body.
Si quelqu'un mange indignement, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Which means the same thing. Ce qui signifie la même chose. That death, spiritual death, rests upon the person that would partake of the Lord's Supper unworthily. C'est-à-dire que la mort spirituelle, pèse sur la personne qui prend la Sainte Cène indignement. That would be out drinking and carrying on and living like the world and come to the Lord's table. Celui qui va boire, qui se conduit mal, qui vit comme le monde et qui vient ensuite à la table du Seigneur. We shouldn't do that. Nous ne devons pas faire ça. Now, let us cleanse our hearts and cleanse our hands from and our minds from evil thinking. Maintenant, purifions nos cœurs et purifions nos mains et nos esprits de pensées mauvaises. That we might come to the Lord's table reverently and holy. Pour que nous puissions venir à la table du Seigneur avec respect et sainteté. As we know that we are connecting ourselves with our sacrifice, Christ Jesus, who is our only salvation. En sachant que nous nous joignons nous-mêmes à notre sacrifice, Jésus-Christ, qui est notre seul salut. And now tonight, the way we do this, is one of the elders stand here, Brother Zabel. Et maintenant, ce soir, la manière dont nous procédons, c'est que l'un des anciens se tient là, Frère Zabel. And I think, Brother Zabel, tonight, if you'd call from the platform first. Et je pense, Frère Zabel, ce soir, si tu veux bien appeler d'abord les gens qui sont sur l'estrade. So these people can come from the platform and form your first line here, if you will. Pour que ces gens descendent de l'estrade et forment la première ligne ici, s'il te plaît. Now, Brother Zabel will direct you in a few moments as soon as we make the blessing upon the communion. Maintenant, Frère Zabel va vous diriger dans quelques instants dès que nous aurons demandé la bénédiction sur la communion. This kosher bread is made by Christians. It's unleavened bread. Ce pain kasher, il est fait par des chrétiens. C'est du pain sans levain. And if you'll notice it when you place it in your mouth, it's very rugged to be bitter. Et si vous remarquez, quand vous le mettez dans votre bouche, il est très rugueux. Ce doit être amer. It's wrinkled and broken, mingled. C'est ridé, rompu, mélangé. That means the broken, mangled body of our Lord Jesus. Cela représente le corps rompu et mutilé de notre Seigneur Jésus. Oh, when I even think of it, my heart seems to skip a beat. Oh, quand j'y pense, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Hallelujah. When I think that he was mingled and bruised and Hallelujah. Smitten. The innocent Son of God. Do you know why he did that? Quand je pense qu'il a été mutilé, brisé, frappé, le Fils de Dieu innocent, savez-vous pourquoi il a fait ça? Because I was guilty. Parce que j'étais coupable. And he became me a sinner. Et il est devenu moi un pécheur. That I by his sacrifice might become likened unto him a son of God. Pour que moi, par son sacrifice, je puisse être rendu semblable à lui, un fils de Dieu. What a sacrifice. Quel sacrifice. Let us bow our heads. Courbons la tête. Most holy God, thou hold in this little metal charger tonight. Dieu très saint, ce soir, je tiens dans ce petit plat de métal. This bread that represents the broken, mingled, bruised, smitten body of our Lord. Ce pain qui représente le corps rompu, mutilé, brisé, frappé de notre Seigneur. Or that prophet cried out. Alors que ce prophète s'est écrié. He was wounded for our transgressions. Bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Oh, how we remember that, Lord. Oh, comme nous nous souvenons de cela, Seigneur. God, tie myself to that sacrifice tonight. Alors que je me rattache à ce sacrifice ce soir. And this audience, likewise, Lord, to the sacrifice. Et cet auditoire aussi, Seigneur, à ce sacrifice. May we remember our Lord, his death and his scourging and all that he went through for us as we take this bread into our mouths. Puissions-nous nous souvenir de notre Seigneur, sa mort, sa flagellation et tout ce qu'il a enduré pour nous, comme nous mettons ce pain dans notre bouche. God, we are an unworthy people. We are not fit for such a holy thing. Ô Dieu, nous sommes des gens indignes. Nous ne sommes pas dignes d'une chose aussi sainte. So let thy holiness, Lord, thy presence and thy blood cleanse our hearts. Alors que ta sainteté, Seigneur, ta présence et ton sang purifient nos cœurs. And as we receive it, may we purpose in our minds to constantly serve him day and night. All the days of our life. Et en recevant cela, puissions-nous prendre une ferme décision dans nos esprits de le servir constamment, jour et nuit, tous les jours de notre vie. Now sanctify this bread for its intended use. We ask in Jesus' name. Amen. Maintenant, sanctifie ce pain pour l'usage auquel il est destiné. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. I hold this in my hands as about 33 years of service I have served my Lord, and I'm ashamed of myself. Et je tiens ceci dans mes mains après 30, environ 33 années de service pendant lesquelles j'ai servi mon Seigneur. Et j'ai honte de moi-même. But I think, what would I do if I had 2 literal drops of his blood holding in my hand tonight? What would I do with it? Mais je pense, que ferais-je si j'avais 2 vraies gouttes de son sang dans ma main ce soir? Qu'en ferais-je? But you know, I've had in my hands tonight, in his sight, greater. It's the purchase of his blood, his church. Mais vous savez, j'ai dans mes mains ce soir, à ses yeux, quelque chose de plus grand, ce qu'il s'est acquis par son sang, son Église. So when I hold this to the juice of these grapes, I think of that. Donc, lorsque je tiens ceci, le jus de ces raisins, je pense à cela. He said, I will drink the more of the fruit of the vine, till I drink it with you anew in my Father's kingdom. Il a dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Then notice, after the war of sin is over, the first thing we do when we strike the other side is take the communion, the Lord's Supper. Alors, remarquez, après que la guerre du péché sera terminée, la première chose que nous ferons lorsque nous arriverons de l'autre côté, ce sera de prendre la communion, la Sainte Cène. Let us bow our heads now while we bless this wine. Courbons la tête maintenant, pendant que nous bénissons ce vin. Our Heavenly Father, when I think as I hold this wine here that represents the blood of Jesus. Notre Père Céleste, quand je pense en tenant ce vin ici qui représente le sang de Jésus. How that through that flowing blood my sins are gone. Que c'est par ce sang qui coule que mes péchés ont disparu. They're put in the sea of forgiveness and to be remembered no more. Ils sont mis dans la mer de l'oubli. On ne s'en souviendra plus jamais. And with this blood, a dying boy one day laid down in the hospital, and you saved me. Et par ce sang,
un garçon qui se mourait un jour là-bas dans un hôpital, et tu m'as sauvé. Oh God, how I thank thee, Lord. Oh Dieu, combien je te remercie, Seigneur. And then give me the charge by the Holy Spirit to lead the people to Calvary and show them the way home. Thank you, Father. Et puis, tu m'as confié la charge par le Saint-Esprit de conduire les gens au calvaire et de leur montrer le chemin de la maison. Merci, Père. And now sanctify this wine for its intended use. Et maintenant, sanctifie ce vin pour l'usage auquel il est destiné. And may every person that partakes of this sacrament tonight receive spiritual and physical strength for the journey that lays ahead. Et puisse chaque personne qui prendra part à ce sacrement ce soir recevoir la force spirituelle et physique pour le voyage qui est devant nous. For we ask it in Jesus' name. Amen. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Stand here and watch the families come in. That's where it'll be one of these days. D'être debout ici à regarder les familles qui viennent, et ce sera comme cela un de ces jours. Family by family, rank by rank, group by group, one by one. Famille par famille, rang par rang, groupe par groupe, un par un. When we meet him. What a time it will be when all the human life that's been upon the earth, that's believed in him and trusted him, will meet there that day. Lorsque nous le rencontrerons, quel moment ce sera, quand toutes les vies humaines qui ont été sur terre, qui ont cru en lui et se sont confiées en lui, se rencontreront là-bas, ce jour-là. Won't it be wonderful? Ce sera merveilleux, n'est-ce pas? Hallelujah. Hallelujah. We have to omit the feet washing tonight because of the water. Nous devons omettre le lavage des pieds ce soir à cause de l'eau. We don't have sufficient facilities right now, and they will be fixed pretty soon, we trust. Nous n'avons pas les installations qu'il faut en ce moment. Ce sera bientôt réparé, nous l'espérons. They're getting along good and working fast on the new tabernacle. Les travaux avancent bien. On travaille avec rapidité pour préparer le nouveau tabernacle. Somehow, I think that this is very appropriate to have communion on the first of the year, like this, this time of day. Cependant, je trouve qu'il est quand même très opportun d'avoir la communion le premier jour de l'année, comme ceci, à cette heure-ci. Now you that's from out of town, drive real careful tomorrow as you go home. May God be with you. Maintenant, vous qui venez de l'extérieur de la ville, conduisez très prudemment demain en rentrant chez vous. Que Dieu soit avec vous. Et vous qui êtes d'ici, de la patrie, des environs, que Dieu soit avec vous et qu'il vous aide. And now, the Lord willing, and I have to leave for this next meeting coming up in Arizona. Et maintenant, si le Seigneur le veut, là je dois partir pour la série de réunions que j'aurai prochainement en Arizona. Et ensuite, Dieu voulant, je serai de retour parmi vous pour les 7 sceaux, comme je l'ai promis. I certainly desire your prayers. Je désire vraiment vos prières. I need you real bad. So don't forget to pray for me.
j'ai réellement besoin de vous. Alors n'oubliez pas de prier pour moi. And may everything go well for you. Et puisse tout aller bien pour vous. And I certainly appreciate your attendance and how you've listened to what I have said in the gospel. Je suis vraiment reconnaissant de votre présence et de l'oreille attentive que vous avez prêtée à ce que j'ai dit, à l'Évangile. Je crois que nous sommes en train d'effectuer un changement maintenant. Et je vous remercie pour votre gentillesse. Many of you driving miles and miles to come here. Beaucoup d'entre vous font de nombreux kilomètres en voiture pour venir entendre une personne toute simple comme moi essayer d'apporter la parole de Dieu. Je suis sûr que vous êtes aussi venu écouter quelqu'un de plus grand que moi, parce que moi, je n'ai rien à offrir. I'm uneducated, no personality, know nothing about me. Je suis sans instruction, sans personnalité, en moi-même, je ne suis rien. And when I see people drive for hundreds and hundreds of miles and stand and wait near 2 o'clock in the morning. Alors, quand je vois des gens qui font des centaines et des centaines de kilomètres en voiture et debout à attendre ici à 2 heures du matin. It wasn't for nothing that I had. Ce n'était pas pour quelque chose que moi je possède, c'est pour Christ. I'm so glad you love him. Je suis si heureux que vous l'aimiez. I love him too. Et moi aussi, je l'aime. Together we love him. Et ensemble, nous l'aimons. And because we love him, we'll never have to part. Et parce que nous l'aimons, nous n'aurons jamais à nous séparer. Hallelujah. We may separate for a little bit your own as time goes on. But we'll be together again. Il se pourrait que nous nous séparions pour un peu de temps ici, alors que le temps passe, mais nous serons de nouveau réunis. It's been my ambition is to try to lead people to that place. Ma seule ambition a été d'essayer de conduire les gens à cet endroit. And now, beginning the new year, I want to say not happy new year to you. Et maintenant, pour commencer la nouvelle année, je veux vous dire, non pas bonne année. I want to say this to you. God bless you. Mais je veux vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. If he does that, that's all you'll have need of for the coming year. And I trust that he will. Et s'il le fait, vous aurez alors tout ce dont vous avez besoin pour l'année qui vient. Et j'ai confiance qu'il le fera. And I'm by his grace. We'll try this next year. He shall spare me, spare you. Et je, par sa grâce, nous allons essayer pendant cette prochaine année, s'il me prête vie et vous prête vie. By his grace, I hope I am a better pastor next year than I have been this year. Par sa grâce, j'espère que je serai un meilleur pasteur l'année prochaine que je ne l'ai été cette année. J'espère que je serai un meilleur serviteur pour Christ. Je ferai de grands efforts pour essayer de vivre plus près, plus fidèlement, pour apporter le message tel qu'il me le donne. Je vous l'apporterai de mon mieux. Je ne retiendrai rien de ce qu'il voudrait que je vous transmette. I'll do all that I know how. Je ferai tout ce que je peux. And I know you feel the same way. Et je sais que c'est aussi votre sentiment. You feel like it, we all want to work together now, or the evening lights are certainly getting dim and the sun's far setting. Vous avez ce sentiment. Nous désirons tous travailler ensemble maintenant. Car les lumières du soir sont vraiment en train de pâlir. Et le soleil se couche, disparaîtra bientôt. The earth's cooling off. We know that. La terre est en train de se refroidir, nous le savons. Spiritually speaking, the church is cooling off, and the revival is over.
Sur le plan spirituel, l'Église est en train de se refroidir et le réveil est terminé. We don't know what comes next, but we will trust God for that, whatever it is. Nous ne savons pas ce qui va arriver ensuite, mais nous ferons confiance à Dieu pour cela, quoi qu'il arrive. Now, as we sometimes, et maintenant, comme parfois nous, I want you to remember that the tabernacle here has one of the grandest pastors there is in the world. Et je veux que vous vous rappeliez que le tabernacle ici a l'un des pasteurs les plus formidables du monde. Brother Armin Neville, a godly man, a good man. Frère Orman Neville, un homme rempli de piété, un homme bon. And my absence, Brother Neville's in full charge, just as like I would be here. Et en mon absence, Frère Neville assure la direction entière, comme si j'étais là. Trustees, deacons and so forth remain in their offices, just as they do. Les administrateurs, les diacres et tout doivent demeurer dans leurs fonctions comme ils le font. This is our headquarters. Et ceci est notre quartier général. This is where we're stationed right here. Billy Paul will not be with me out there, only just for the meeting. He'll be coming back here. C'est ici que nous sommes installés, ici même. Billy Paul ne sera pas avec moi là-bas, sauf pour la série de réunions. Il reviendra ici. The business and all's operated right on here just the same. Les affaires et tout continuent quand même à être gérées d'ici. Just going out there, that doesn't mean that I'm leaving you. Si je vais là-bas, cela ne signifie pas que je vous quitte. I'm just going, you understand, it's just a vision, I don't know what it means. Je pars, vous comprenez, simplement par suite d'une vision. Je ne sais pas ce que cela signifie. I trust and do believe that it'll be for the betterment of the whole church. J'ai confiance et je crois vraiment que ce sera pour l'avancement de toute l'Église. Now I know it will be better for all of us if we follow the leadings of the Lord. Et je sais que si nous suivons les directives du Seigneur, ce sera préférable pour nous tous. That's all we know how to do. C'est tout ce que nous savons faire. It's not easy for me. I remember once before I had to walk away from the church here. Ce n'est pas facile pour moi. Je me souviens qu'une fois, dans le passé, j'ai dû m'éloigner de l'Église. Some of the old-timers remember that. Quelques-uns des vieux de la vieille, là, vous vous en souvenez. How I just couldn't do it. Je n'y arrivais pas. I love people. J'aime les gens. When I was a little boy, I wasn't loved. Nobody cared for me when I was a kid. Quand j'étais un petit garçon, on ne m'aimait pas. Personne ne se souciait de moi quand j'étais gamin. And I, when I found out somebody loved me, I don't want to die for them. Et moi, quand je trouvais quelqu'un qui m'aimait, je me disais que je mourrais volontiers pour lui. Et donc, parce que quelqu'un vous aime, quelqu'un se soucie. I was climbing one time on a post. Une fois, je grimpais sur un poteau. And my hook slipped out on an old cedar post and the knot was up high. Et mon crochet s'est détaché. Un vieux poteau de cèdre. Le nœud était tout en haut. I hit it with my spur and turned around, fell about 15 feet and caught on my arm. Et je l'ai heurté avec mon éperon. J'ai fait un tour sur moi-même et je suis tombé d'environ 4 ou 5 mètres et je me suis accroché à l'aide de mes bras. A lady screamed and she kind of patted herself like that. Une dame a crié et elle se tapotait comme cela. I always liked that lady. She cared. J'ai toujours aimé cette dame. Elle s'est souciée. She's somebody who cared. And I always thought anybody who cared for me, I love them. Elle était quelqu'un qui s'était soucié. Et je me disais toujours que quelqu'un qui se soucie de moi, je l'aime. And here some time ago, I was downtown and I was thinking of days it used to be. Il y a quelque temps, j'étais en ville. Je pensais aux jours d'autrefois. Et à ce que Dieu a fait pour moi. Et je l'apprécie réellement. Thank you for your love and fellowship. Et je vous remercie pour votre amour
et pour votre fraternité. Jamais je ne chercherai à vous conduire dans une mauvaise direction. Ce sera toujours dans la bonne voie pour autant que je sache. You take me record. I've never said anything about myself. It's always been Jesus Christ. Et vous m'en êtes témoin, je n'ai jamais rien dit au sujet de moi-même. Cela a toujours été Jésus-Christ. Voyez, voyez. Try to stay as close to His word as I know how to stay to lead you and guide you to this place. J'essayais de demeurer dans sa parole aussi étroitement que je le pouvais pour vous conduire et vous guider vers cet endroit. I commit you now in the hands of Brother Neville. Et je vous remets maintenant entre les mains de Frère Neville. First in the hands of God, then in the hand care of Brother Neville. D'abord entre les mains de Dieu et ensuite aux bons soins de Frère Neville. To pastor the church and to watch over the heritage until I can have this meeting and get back to you again. Afin qu'il soit le berger de l'Église et qu'il veille sur l'héritage jusqu'à ce que je puisse faire cette série de réunions et revenir vers vous. Trusting by that time I can bring you a great revelation from God that will thrill our heart and glorify the church of God. Confiant qu'à ce moment-là, je pourrai vous apporter une grande révélation de la part de Dieu qui réjouira chaque cœur et glorifiera l'Église de Dieu. We usually take communion. Nous avons l'habitude de prendre la communion. I don't want to say no more. You know how I feel. Je ne veux pas en dire plus long. Vous savez ce que je ressens. I think the song that we should sing right now, my faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Et je pense que le cantique que nous devrions chanter maintenant, c'est « Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire. » While we stand singing, let's shake hands with each other and say, God bless you. Et pendant que nous nous levons pour le chanter, serrons-nous la main les uns les autres et disons que Dieu vous bénisse. My faith looks Ma foi regarde à toi. Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Sauf que Dieu vous bénisse, frère. Va et cours. Raise your hands to him. Maintenant, levons les mains vers lui. My faith looks up to thee. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire. Sauveur divin. Écoute ma prière. Efface toute ma culpabilité. Que je sois dès ce jour entier à toi. Let's sing till we meet again. Everybody now, Jim. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Chantons jusqu'à ce que nous nous revoyons. Tout le monde en chœur maintenant. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Réunis aux pieds de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Soit avec vous jusqu'à ce jour.
jusqu'à ce que nous nous revoyions. Réunis au pied de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Maintenant, courbons la tête. Frère Neville, si tu veux bien terminer la réunion par la prière, que Dieu vous bénisse.